Des vacances de rêve. Depuis quelques jours, c'est sur un catamaran que Sylvie Tellier passe le plus clair de ses journées. Entourée d'eau turquoise à se pâmer. Un séjour qu'elle documente largement sur les réseaux sociaux. À grand renfort de photos et de vidéos. Première semaine de notre croisière aux îles Baléares en famille et entre amis. Écrivait-elle ainsi sur Instagram, dimanche 8 août, en légende d'une vidéo montrant ses enfants en gilet de sauvetage. Ses séances de bronzage sur le pont, sa rencontre avec les dauphins. Mais attention! Pas question de se reposer. Très sportive, Sylvie Tellier a profité de sa croisière pour faire du paddle, mais n'a pas échappé aux gamelles, ainsi que pour faire de la plongée. Pas étonnant, ainsi, qu'elle ait un corps de rêve, en témoignent les trois photos qu'elle a publiées lundi 16 août sur son compte. Sylvie Tellier s'est affichée en bikini vert, sur le pont du bateau, accrochée au mât. Et ses abdominaux bien dessinés et ses jambes musclées n'ont pas manqué d'impressionner ses abonnés. Magnifique, sublime, quelle beauté, vous êtes superbe, trop belle. Parfaite, quel corps, a-t-on notamment pu lire en commentaire. Il faut dire que, peu importe les baisses de régime ou le manque de motivation, Sylvie Tellier s'astreint régulièrement au sport. De retour sur Terre, en Vendée, l'ancienne reine de beauté a enfilé ses baskets pour aller courir. Petite tenue de sport et recherche de motivation pour aller courir, mais après cette grande navigation on est un peu fatigué. A-t-elle indiqué en story. Motivation qu'elle a finalement trouvée. Elle a partagé une vidéo de sa séance de running sur la côte vendéenne pour attaquer la rentrée en forme. N'hésitez pas à intégrer un peu de fractionné dans vos entraînements et de terminer par quelques exercices de renforcement. A-t-elle conseillé. Il n'y a plus qu'à chausser les baskets.